Salut tout le monde et bienvenue dans la suite de Silent Hill Origins sur PlayStation 2. Bon, on s'est arrêté en plein milieu la dernière fois où j'avais découvert un autre portail vers l'autre monde. Et je propose qu'on continue notre aventure. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas joué, donc du coup j'ai une petite perte de mémoire au niveau des touches. Mais ça devrait être vite revenu. Je pense que je vais directement couper et revenir là où j'en étais à peu près la dernière fois, car je n'ai pas de souvenir exact. Oh, j'avais pas vu ça. Bon, nickel. Ma foi. Que mes souvenirs se rafraîchissent un peu. Il me semblait qu'on avait débloqué une clé. Laissez-moi voir. Une clé, non. Une clé, non. Arme à feu. Objet. Non, on n'avait pas de clé. Alors, laissez-moi consulter la map, s'il vous plaît. Voyons voir. Laissez-moi me rafraîchir un peu la mémoire. Ok. On avait tout fouillé ici. Il n'y avait plus rien. Ok, revenons ici. Ok, on va revenir dans... Techniquement, je pense que je finirai ce niveau dans cette vidéo. Techniquement, bah après je peux très bien me planter. Me planter totalement. Ok, est-ce que c'est ouvert là? C'est cassé, ok. Cassé... Ah oui, ça me fait penser. On avait réussi à évacuer une clé dans les égouts. Enfin, pas dans les égouts, dans le sous-sol plutôt. Enfin, peut-être qu'on la récupère. Mais avant tout, j'aimerais voir si l'étage du dessus... Attendez, laissez-moi deviner. L'étage du dessus est... On sait pas s'il est ouvert ou non. Donc... Assumons que nous ne savons rien et essayons de l'ouvrir. Non! Ok, ben ça nous donne un seul et unique chemin possible, le sous-sol. C'est parfait, ça me va parfaitement bien. Moyen de chemin ici, mieux je me porte. Ah, bon. Ce qui fait que ici, est-ce qu'il y avait un objet, un petit item pour nous aider dans mon périple? Non. Je crois que j'avais déjà ramassé s'il y avait un quelconque item ici. Bon, pas grave. On va aller ici. Et là, ennemi. Ok. Ok. Bien. C'est bien. On va la jouer plus... plus safe. À partir de maintenant. Vu que les ennemis ne nous détectent pas... Wow, un marteau, yes. Vu que les ennemis ne nous détectent pas pendant que nous sommes... comme ça... Enfin, sans lampe activée. Donc là, il y a un miroir. Alors, il me semble que la salle de stockage était verrouillée. C'est bien ça, hein? Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'il peut y avoir quelques items ici. Et surtout, on peut déverrouiller la porte. Ok, nickel. C'est très bien. Ouais. Rien d'autre. Ok, bon, bah, c'est déjà bien. C'est déjà parfaitement bien. On va du coup explorer les... le monde alterné. À partir de maintenant. Ce qui fait que... On va aller directement à droite. Et donc ici, normalement, c'est... C'est verrouillé, ok. Laissez-moi voir... Ouais, donc du coup... Ah, East Pipe Room, ok. Mais après... On a quand même un monsieur qui patrouille ici. J'arrive pas très bien à le voir.
Oh. J'ai cru voir son ombre. Ok. J'esquive. Passer storage. Verrouiller, ok. Et là, ouais, nickel. C'est nickel. Donc ici... Est-ce que ce serait ici qu'il y aurait la clé? Ah! Ah, interview archive, ok, d'accord. Interview archive. Question. Interview archive, c'est quel étage déjà? Peut-être que je retourne dans le monde réel pour voir où est-ce que ça se situe. Parce que pour l'instant, je ne vois pas. Je ne vois clairement pas. Bon, pas grave. On a un monstre à esquiver. Après quoi, tout sera tranquille. Ok. Oh, il y en a deux! Wow! Oh, c'était pas prévu ça. Pas grave, on fonce. Et là, c'est déverrouillé, ok, d'accord. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Donc, on a la possibilité d'accéder ici. Sauf qu'au bout, c'est verrouillé. Très bien. Donc ça veut dire que... On a un crochet à viande, ok, d'accord. Crochet à viande. Est-ce qu'il n'y avait pas de munitions dans le coin? Ok. Là. Y a un item? Non. Ok. Donc tout va bien, on retourne dans le monde pas réel, mais disons que c'est un peu plus la réalité qu'ici. Alors, est-ce que ça va être indiqué sur notre map l'endroit où il faut aller? Tac. Ok, donc là c'était fermé. Et donc là... Femelle hydrothérapie, non. Ici. Archive, ok, d'accord. Ok. Donc, faut retourner au premier étage. Non, deuxième étage. Et aller directement là. Ça marche. Je vois où est-ce qu'il faut aller maintenant. Il nous reste tout de même cette dernière porte à déverrouiller dans l'autre monde. Avec une clé spéciale, donc je pense que on devrait trouver l'objet qu'il nous faut dans cet endroit. Je pense. Ouais, à mon avis, oui. C'est forcé. Mais je me souviens qu'il y avait un passage où on jonglait pas mal entre monde alterné et monde normal. Ok. Toi, déjà, tu fais chier. Doucement et enfonce. Voilà. Bye bye. Maintenant, je passe ici. Salle où il y a encore beaucoup d'ennemis, je suppose. Mais qui servent à rien si je les esquive correctement. Voilà. Là, c'est bon. Ennemi, pas ennemi. Je pense pas. C'est trop petite. You had to do it. You had to? Please,
help me understand. That's what you do with pests. That's what you do, isn't it? And he was a pest. Oh, he was a bad boy. Always has been. I tried to pretend he wasn't, but they were there to make sure I didn't forget. They? The people in the mirrors. They see it all. What's really going on. And it was their idea? Yes. They saw the devil inside of him. I had to kill him. My responsibility. My flesh and blood. I brought him into this world, so I had to take him out of it. Good wombs can bear bad sons, they say. I know you think what I did was wrong. I just want to understand. Helen... No! You want to keep me locked up, Doctor. But you can't. I can leave whenever I want. Mm-hmm. I can step through that mirror and into their world. This world is just a daydream. Helen? When will they bring me my boy? Ok, bon, très bien. Par contre, on a débloqué un autre miroir. Ah ben, c'est parti. Et c'est là que ça va devenir assez casse-tête. Wow. Non, ok, c'est bon. Je pensais que c'était un trou dans le mur qui nous permettait d'aller dans une autre salle. Il n'y a aucun objet ici. Putain, je suis fou, quasiment rien. Non, merde. Oh, putain. Ah, je suis crevé. Ah, merde. Allez, rentre là-dedans. Refais ton mal à la tête et puis rentre là-dedans. Un enfant maudit. Comme si Alessa ne nous suffisait pas. Franchement. Tac. Là, c'est bon. Voilà. Donc. Encore toute une partie à explorer. Comme si c'était pas suffisant. Fermé. Ok. Restons prudents. Je vois déjà pas grand chose, alors ce serait con de se faire heurter par un ennemi. Ok. J'y vois que dalle. En même temps, c'est le but. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est des petits ennemis, donc, du coup... Ah. On entre dans cette partie-là de... Ok. D'accord. Tout s'explique. Voilà. Je me disais qu'on allait visiter l'autre partie de... du cinétarium à un moment donné. Je savais juste pas quand on le ferait. On va rester de ce côté là un petit instant. Il n'y a pas d'ennemis dans le couloir, donc on va en profiter pour prendre notre temps. Explorer tout ce qu'il y a à explorer. Voilà, fâche. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, hein. Wait. Il manque quelque chose. Non. C'est normal. Bon, tant pis. Fallait par ici. Forcément, on ne peut pas aller par là-bas. Ok. Bon, ça te fait des endroits en moins à explorer. C'est très bien pour moi. C'est même parfait. Je préfère ça. Sachant qu'on est au deuxième étage, donc on n'a pas le choix que de redescendre. Ok. Pas d'autre choix que de redescendre. Jusqu'où ? En enfer. Ou peut-être un peu moins loin. C'est verrouillé. Ça me va.
Si c'est verrouillé, ça me va parfaitement bien. Moins j'ai exploré, mieux je me porte. Parce que déjà, en voyant la taille du bâtiment, je me dis que j'ai pas envie de tout explorer. Ça me prendrait 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de temps. Et ce serait un let's play dont la moitié serait juste de l'exploration de bâtiments. De l'urbex. Ok. Un nouveau sous-sol. Pour aller vers où? Ok. Donc notre objectif, c'est de déverrouiller une certaine porte. La porte se trouve ici. Techniquement. Après, je peux très bien me tromper. Mais j'ose croire que je sais ce que je fais. Donc ici, déjà c'est verrouillé. Ce qui laisse toute la partie du milieu inexplorable. Ça me va. Ça me convient parfaitement. Maintenant, voir ce qui peut être exploré. Là, est-ce qu'il y a un autre miroir? S'il y a un autre miroir... Oui, un autre miroir. Ok. Cependant, j'aimerais... J'aimerais explorer encore un peu cette partie-là. Ok. Ah, c'est... C'est un long passage. Hein. C'est un long passage. Wow! Ok. Au moins il est mort. C'est déjà ça. Ok, là c'est... C'est ouvert. Ce qui fait qu'ici, il y a... Wow. Ok. Ok. Là, on peut y aller. Donc ce qui signifie que c'est probablement la suite. Très bien. Là, c'est bouché, donc très bien. Avant d'aller à la suite, il y a un miroir là. Attendez, non, pas là. 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 Il me semble que j'ai vérifié s'il y avait un objet, il n'y avait rien. Par contre, je n'ai pas vérifié au-delà du miroir. Pas de son. Ok. Il y a une note. Parfait. Rapport d'incident Amber, membre du personnel rédacteur Simon. Description de l'incident. Un enfant mâle est entré dans le sanatorium sans être inquiété et a atteint la zone femelle séclusion, isolement des femmes. Les portes étaient restées non verrouillées. Il était entré dans femelle séclusion room 5 quand l'aide-soignant... Quand l'aide-soignant Michael l'a aperçu et m'a alerté. Le garçon était l'enfant d'un visiteur et a été amené par son père. Manquement, les portes de la zone femelle séclusion ont été laissées déverrouillées par l'aide-soignant et le personnel d'un hall a manqué de remarquer l'enfant lorsqu'il est arrivé sur la mezzanine. Ok. Recommandation, rappeler à tous les membres du personnel l'importance du verrouillage des portes de garde. Revue de personnel à faire par les responsables de service. Ok. Encore une fois, qui était cet enfant? Ok. Techniquement, cette porte... Ouais. Et techniquement, cette porte... J'aime pas ça. J'aime pas quand ils me laissent trop de choix, trop de... Ah là là. Ça veut dire qu'il y a encore plus à explorer. Mon dieu. On n'est pas sorti de l'auberge, c'est moi qui vous le dis. Bon. C'est cool. On va voir ici, forcément, c'est déverrouillé.
Ah là là, moi qui pensais qu'on aurait à explorer qu'une seule aile et juste une partie de l'autre. Finalement, je me suis bien gouré. Ah, par contre. Oh putain, merci. Je peux aller sauvegarder derrière, là-bas. Ok. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite. Ça, c'est bloqué. Ok. C'est très bien. Après, ça va peut-être servir uniquement qu'à ça, hein. Ouais. Ouais, ok. Ok, c'est bien. Juste pour accéder au point de sauvegarde, c'est parfait. Ça me va parfaitement. Très bien. Bien calculé, messieurs. Et on peut pas accéder à l'étage supérieur. Parfait. Alors, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais aller faire une sauvegarde très rapide. J'aime pas quand c'est calme. C'est beaucoup trop calme. Ouais, il était censé y avoir un monstre ici. Bon, c'est pas grave. Au contraire, c'est tant mieux. Donc, ça veut dire que notre objectif est désormais le sous-sol en monde alterné. Oh putain, ça m'a fait sursauter. Ok, donc il y a ça. Là, c'est verrouillé, je suppose. Ouais, c'est exactement. Est-ce qu'il y aurait un ou deux items ici? Important à ramasser. Non. Absolument rien. Très bien. Ça me facilite la tâche. Ah, maintenant, question, est-ce que le monstre est toujours mort? S'il vous plaît. Faites qu'il soit... Oui, c'est bien. Très bien. Maintenant, il va falloir traverser le couloir de la muerte. Bon. C'est très simple, je cours. Mais là, je ne réfléchis pas, je cours. Ok. Doucement. Et maintenant, je fonce. Ne manque pas vu. C'est parfait. S'il te plaît, map. C'est la carte, c'est parfait. Très bien. C'est exactement ce que je voulais. Enfin, je pense. Ok. So far, so good. On ne stresse pas, on reste tout à fait calme et tout ira pour le mieux. Tout va bien. Ici. Ok. Est-ce que le premier étage est déverrouillé? Oui. Bien sûr qu'il est déverrouillé. Ce serait con qu'il ne le soit pas, hein? Bon, pas grave. Ok. Ok. Laissons-le se morfondre dans le noir. Ok. Masse éclusion. Trois. On va devoir les explorer un à un. Ok. Tissonnier. Ok. Bâton, ok. Bon, les armes au cac, au moins j'en ai beaucoup. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il y a ici? Y a rien. Je veux pas le croire. Bon, bah ok, il n'y avait rien ici. Très bien. Celui-là. Là, il y a quelque chose. Dites-moi qu'il y a quelque chose ici. Rasoir. Eh ben.
Ok. Bon ben, il n'y avait rien d'autre de spécial. Ah, attendez, il y a une note. Voilà. Un trisanium de... What? C'est quoi le bleu? J'arrive pas à lire! En tout cas, c'est bleu. Ok. Pas grave. Ok. Verrouillé. Ok. Oh, un point de sauvegarde. Ah, bah, parfait. Ouf. Ouais, je reprends directement la sauvegarde qu'il y avait ici. Ok. Bon. L'exploration continue. Je pense pas finalement que j'achèverai cette zone dans cette vidéo. C'est pas grave. Chaque pas qui sera fait dans cette vidéo sera un pas de moins à faire dans la prochaine. Donc. Non. Il n'y a rien. Ouais, pour moi. Il y a mon téléphone qui sonne. C'est pas grave. J'y répondrai après. Ah, là. Attendez. Ah, il faut leur donner les bons. Je crois que c'est ça. Je fais de tête, hein. Je fais absolument de tête. Hop. Ouais. Non, c'est pas ça. On va revoir ça. Alors, note. Ah mon dieu. Ok. Faut que je parcours tout ça. Bloc-note. Chambre 1. Puis seulement pour les patients. Ok. Rouge, bleu, jaune, vert, bleu. Rouge, bleu, jaune, vert, bleu. Parce que c'est seulement pour les patients. Ouais, je vais retourner vers la chambre en fait. Ce sera beaucoup plus pratique. Alors, il me semble que la chambre du milieu, c'est celui avec les coutures. Donc le 3. Ok. 3, le. Je vais. Le rasoir. Lourdement barré, ok. Ouf. Chaud. 2. Donc à mon avis, ça doit être le gars en rouge. Et enfin, le premier, ça doit être rasoir. Rasoir. 1. Ouais, c'est ça. Ok, maintenant, j'ai l'ordre des chambres. Okay. Alors, on recommence. Aussi de la meilleure des façons. Alors. Alors, la bouffe. La bouffe, la bouffe, la bouffe, c'est bleu. Allez. C'est lent, ça. Le chaud, c'est bleu. Et enfin, la couture, c'est jaune. Ouais. 2 secondes. Feu, c'est... Ok. Donc, ça, apparemment, c'est vert, celui-là. Ensuite, du coup... La nourriture... Ah, peut-être que j'ai confondu les deux, en fait. Barré... Donc, ce qui veut dire que bleu, c'est... Celui-là. Ok.
celui qui a brûlé, c'est bleu aussi. Ok, donc il reste le rasoir, qui est rouge. Et enfin le dernier qui est jaune. D'accord, donc c'est juste deux que j'ai confondus. Docteur Harris, ok. Bon. Eh ben, désolé pour le contretemps, mais j'avais mal compris l'énigme. Bon. Ce qui fait que je vais sauvegarder une dernière fois pour cette vidéo, et je vais arrêter là. Je vais me remettre un peu mieux sur la facecam, voilà. Je vais arrêter là, et on va terminer cette zone à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo, le let's play, pour me faire connaître, et si vous avez apprécié, si vous appréciez ma chaîne, etc., et que vous voulez me soutenir. Et puis enfin, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci encore, et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !